action pendant journée concernant opération centrale menée dans zone ville la solidarité côté yo libéré hein yo élève 8 l'année côté bandit kidnappé il y a plusieurs jours dans main ravisseur nous apprêté avec même dossier libération gagné nous connons ça tape sur toutes les réseaux sociaux nous on bon information sur ça gagné Marie Mat la faille madame Jack Silnia la faille bandit exemple kidnappé par porte première l'église Baptiste Port-au-Prince dimanche 26 septembre là joue libération là hier jeudi 30 septembre là n'a pas rappelé bandit tout exemple Maril Silner la faille dans même événement ça. N'a pas été avec un question qui d'après Jean Dédian la bandit armé qui a opéré dans la capitale haïtienne dans levé jou qui était madia là dans rue Camo Johnny Jean un étudiant dans faculté et sciences humaines victime là qui lui-même c'est un étudiant en sociologie dans faculté sciences humaines fache selon un camarade bio que nous même dans sa nouvelle radio méga t'a parlé dans en téléphone ensemble avec lui et jeune garçon ça étudiant victime là lui-même lui un pilote et camarade dans faculté sciences humaines yo dénoncé question sécurité à qui je dis à la cap quand j'arrête et personne monde pas épanier secteur ça surtout eux même comme étudiant yo mieux pas épanier en bas avec kidnapping que bandi eux même à commettre aux populations d'après ça divers camarades lui même et fait qu'on est avec sa nouvelle radio méga yo fait qu'on est kidnappé yo réclamer $300,000 pour capable libérer Johnny Jean étudiant faculté sciences humaines en sociologie qui est kidnappé mardi et passé à rue et Camo. Toujours sur dossier kidnapping dans dossier insécurité direction tabac au moins yon moun enlevé jeudi hier jeudi 30 septembre là dans tabac non loin l'hôpital Petit Frères et Sœurs c'est œuvre yon convoi nèg exam qui t'a circulé sous deux motocyclettes pendant yon fin posé zak là y a le croisé bab pou bab jan nou te dou dans titre journal là ak équipe yon équipe radio télé Kiskeya qui était dans périmètre là bien nèg exam ça réalise amen sous monsieur Damio heureusement yo pas sorti victime mais yo sorti traumatisé moun qui était sous moto ça était sous deux motocyclettes yo chaque motocyclette était gain deux passagers avec yo yo était gain pile zam nan men yo te kidnappé yon moun ki te nan machine yo et yo tap suiv machine victime nan lorsque jan nou diyo yo kwaze bab pou bab ak yon équipe radio Kiskeya gang armé sa yo ki tap opéré nan zone 400 maozo kontrole yo pat pran rien nan machine journaliste yo et ben incident sa vini après yon étudiant Jean-Saudin Blaise yon étudiant nan faculté sciences humaines Johnny Jean kidnappé mercredi 29 septembre dans la rue Camo ravisseur a demandé $300,000 pour capable libérer. N'a toujours été dans même dossier ça mais n'a dit que des deux zones aujourd'hui dans zone métropolitaine c'est on a dit c'est des foyers côté kidnapping dans zone tant que c'est zone rouge. Oui, tant qu'on gagne Camo, gagne Paco, même Capaco, gagne Cassius Frédéric qu'on a rappelé avant-hier côté était tué deux monde dans machine côté que gagne monde qui expliquait que c'était une tentative va kidnapping, il était tué deux monde dans zone bord Canada, zone toute zone ça c'est des zones côté que c'est des zones rouges ou même qui a fréquenté zone ça fort faire en pile prudence, faire en pile vigilance puisque c'est des zones rouges dernier temps ça côté en pile cas kidnapping répété et zone si là. On a toujours été dans même dossier ça, Jean te dit là puisque c'est divers monde dans divers secteurs qui a pas victimes à kidnapping yo, surtout mesdames yon qu'on est en pile là ou les monsieur fin kidnappé yo yo violé tout mais gagné ministère condition femme doit femme qui et conscrit réagir que son kidnapping nan, mais surtout qui mettait accent sur femme actifs yo qui souvent victime zak ça et puis côté monsieur à côté de question kidnapping nan, mais qui souvent fois violé mesdames yo maintenant pour la presse ça que ministère mettait dehors nous pour regarder rapidement encore dans notre ça ça dit ministère condition femme doit femme qui dit c'est avec pile tristesse indignation avec la peine la apprendre quantité femme actifs qui subissent la violence toute qualité à kidnapping dans diverses régions en
pays en dernier jour ça yo ministère condamné à toute force les actes ça yo qui gagne gros conséquences sanitaires psychologiques et économiques sous la vie mesdames yo dans société haïtienne non actes ça yo pas cadré dit toi que respect droit femme yo gagne tant coup tout l'autre monde sur la terre ministère condition femme droit femme dit li constater phénomène insécurité avec kidnapping en vient augmenter qu'a violence yo chaque jour puis plus qu'a fait sous femme actifi tant coup élève l'école nous autant de là côté qui hier soir la police rivé libéré yon élève en 8 l'année côté bandit et séquestré dans village solidarité et élève l'école universitaire commerçante fidèle l'église journaliste et la trier personne pas épargné gain l'autre individu sans foi ni loi qui tuer yo violé maltraité surtout dans capitale haïtienne nan. Ministère a rappelé importance femme yo gagné dans société ya, et puis yo c'est maman la vie c'est entraille nous c'est moteur développement économique pays sorti vendredi se passé là pour arriver dimanche passé an, nan zone métropolitaine nan seulement gen plus passé yon dizaine ka kidnapping ki te enregistré côté majorité nan yo c'est femmes sans compter sa yo ki poukou jwenn libération nan meravise yo ministère dit inacceptable pour Kassayo a continué répéter dans société yon. Violence par la donne li pap toléré violence sous aucune forme a fait sous mesdames yon sitôt pendant la continuité pour doit toute forme respecter j'ai appelé le convention haïtien mandé ça devant ça sans pitié ça yo pays yon continue perdit non seulement moun ki croyen nan yon demain meilleur maman ak papa petite kap chercher la vie mais tout citoyen ak citoyen qui prend gros engagement pour rive changer société patriarcale ça veut dire société côté garçon a dominé une société côté garçon ak femme dwe jwi même droit ak même privilège mais ces conditions femme ak droit femme a profité main d'autorité policière ak judiciaire yo pour prendre responsabilité yo yon façon pour couper tout le monde qui commet zak malhonnête sa yo et puis cap simede nan mitan population haïtienne nan cap kidnapper petite peuple nan touye et puis sale image yo vive Haïti vive une société juste égal égo côté garçon ak femme doit gagner même droit à bas violence sous femme actifi fok doit toute femme respecter. L'autre dossier dans le journal la gain Office National Migration qui pote explication sous 5 millions de dollars yot a recevoir pour gérer migrant yo le chef mission OIM dans JCP l'a prêté fait connait l'agence a pas même assez pour ta continuer supporter déporter yo capable continuer arriver dans pays à côté si la yo qui déjà États-Unis gain plus passer 28 000 migrants majorité haïtien qui dans route pour frontière Mexique là JCP l'a prêté fait connait yo bay chaque migrant 120 dollars américains qui vaut 12 000 goud. En côté déclaration, l'homme que Jean-Philippe Massé. Le DG l'a déjà dit, il y a une assistance en kit hygiénique, on a des médecins sur place, on a la Croix-Rouge haïtienne qui est là, il y a d'autres partenaires, UNICEF qui prête une assistance pour les enfants avec les partenaires aussi. Et on a des psychologues qui sont là pour accueillir les migrants à leur arrivée et on donne un appui en cash aussi qui est équivalent à 120 dollars, donc 12 000 gourdes. On a commencé avec 10 000 gourdes, maintenant, en considération de la situation, on est en train d'augmenter. Les personnes qui ont reçu les 10 000 gourdes, on est en contact avec eux. Il ne faut pas aller à l'aéroport maintenant parce qu'on a déjà trop de gens, mais on est en train de. On a tous les noms et les contacts par téléphone. Ils vont recevoir la somme qui est prévue. Donc tout le monde va recevoir la même chose. Je sais qu'il y a eu des rumeurs et des discussions, donc peut-être j'anticipe la question sur les 5 millions et tout l'argent que l'OIM est en train de gérer. Je fais remarquer aussi que, comme on vient de le dire, d'abord, on est en train de. Dès que les financements seront confirmés, l'ambassade des États-Unis fera aussi une communication officielle. Comme d'habitude, l'OIM travaille avec les partenaires, les bailleurs des fonds et l'État haïtien pour gérer les financements qui sont impliqués. Si la somme des 5 millions qui ne s'est même pas confirmée, je tiens à le dire, semble beaucoup pour gérer cette opération, il faut tenir compte qu'on a les 14 000 qui ont été annoncés de Rio, Texas. Il y a 28 000 Haïtiens qui sont au Mexique, d'après les informations qu'on a du Mexique. Il y a environ entre 900 et 1 000 migrants
d'après les informations, aux Bahamas qui vont rentrer bientôt. Il y a des groupes à Turks et Caicos qui sont là. Il y a en Colombie environ 20 000 personnes. Et il y a tout un mouvement des migrants haïtiens parmi les migrants, les autres migrants de la région qui sont en train d'arriver, de se diriger vers la frontière du Mexique. Donc, si on prend en compte l'assistance qu'on devra donner à toutes ces personnes, on doit se préparer à la pire situation. Donc, c'est ça, on a même des moyens limités pour faire face à tout ça. Et tout ce que nous faisons déjà rentre dans la logique de leur donner quelque chose pour arriver au pays, trouver peut-être un endroit où rester, reprendre contact avec la famille. Toujours dans le même dossier, ça sorti dimanche 19 septembre jusqu'à mercredi 29 septembre, dans l'Office national Migration, déjà recevoir 5405 dans l'aéroport Toussaint Louverti, avec au cap haïtien, plaisir compatriote haïtien, autorité américaine déportée, coordonnateur ONM, nan, qui c'est Jean Négo Bonheur d'Elva, fait qu'on est volé à continuer à arriver dans le pays. Hein. À côté États-Unis, il y a Mexique avec Bahamas qui commence à voir compatriotes retourner la caillou tout. Jean Négo Bonheur d'Elva, garantie à continuer à recevoir migrants dans toute dignité. En côté, Jean-Hugo Bonnet d'Elva, lui-même qui est coordonnateur ONM. Nous allons pour l'instant vous donner des chiffres concernant le nombre de migrants accueillis depuis 19 septembre jusqu'à hier, mercredi 29 septembre. On a accueilli à Port-au-Prince 3719 personnes, dont 1634 hommes, garçons, 1083 femmes et 1086 enfants à Port-au-Prince. Au Cap-Haïtien, pour 18 vols, on a accueilli 1602 personnes en tout, dont 1098 hommes, 352 femmes et 152 enfants. Ce qui donne un total de 5405 personnes accueillies depuis dimanche 19 septembre jusqu'à hier, mercredi 29 septembre. 5405 personnes reçues, dont 2732 hommes, ce qui représente un pourcentage de 50.54%, 1435 femmes, un pourcentage de 26.54%, et 1238 enfants, dont 22.90%. Voilà le nombre de migrants accueillis depuis cette série de déportations sur Haïti. À côté États-Unis, Kounia Bahamas ak Mexique rentre dans processus l'entour. Jeudi, vendredi, on a de gen 4 avions qui sorti Bahamas qui t'a de débarqué l'aéroport Cap-Haïtien 3 t'a de débarqué demain samedi. Malgré tout ça, autorité Bahamas yo kebe encore 175 haïtiens qui t'a continué prendre sur pour rentrer Bahamas. Voilà, nous pourrons permettre nous pourrons venir avec collaborateur nous Ronald Pierre qui est prêt à venir avec quelques éléments d'information concernant la décision ainsi l'autorité et bah monsieur même apprend pour capable vous retourner par ici à plaisir compatriotes haïtiens. 6 heures. Bonjour Blaise, bonjour Jean-Vinet et Jean-Philippe. En même temps, nous saluons l'auditoire Radio Mega Cap Côté. Ça qui fait la une dans Bahamas, c'est repatriement migrant haïtien sans papier. T'es dû commencer hier jeudi, comme ça te prévoit entre deux autorités pays. Nous avons de presse, ministre immigration quitte BLT accordé dans la mi-temps journée hier jeudi 30 septembre 2021. Gouvernement haïtien a des gros problèmes techniques avec Airport Toussaint Louverture. C'est ça qui fait que nous pas commencer avec déportation à migrants haïtiens. Mais il dit gouvernement bahamien a commencé à repatrier ressortissants haïtiens demain et nous avons parole avec gouvernement haïtien. Mais moi, pensez autorité haïtienne pour utiliser une autre airport. Rentrer en contact avec l'ambassade pays d'Haïti dans Bahamas, diplomate Anthony Brutus a déclaré dans Micro Radio Mega, il y a un autre changement qui fait au niveau volio. Au lieu de l'airport Toussaint Louverture, c'est
civil au Cap Haïtien qui pourra recevoir les ressortissants haïtiens. Du journée, jeudi, vendredi 1er octobre, demain, samedi, à dimanche, à 4 octobre 2021. Chaque vol a gagné 138 places là-dedans. Accordé à officiel bahamien avant hier soir, il y a un autre groupe de 137 migrants haïtiens. Royal Bahamas a dit une force a été appréhendée. Il y a un total de 1015 migrants qui sont placés dans le sud pays Bahamas. C'était Ronald Pierre pour Radio Mega. Voilà, merci un peu avec collaborateur Ronald Pierre depuis et Bahamas. À côté, il t'a dit nous exactement décision ça que autorité bahamienne même prend là pour capable pimper voyez bah nous là plusieurs compatriotes haïtiens. N'a toujours été avec même de ça puisque nous connaissons vraiment je dis à la autorité mexicaine même avec l'autorité dans divers pays là dans la région là décidé et bien lancer une mise en garde vraiment pinga bah plusieurs milliers migrants pour dire hey, attention c'est d'abord arriver la Caipano de Gechasselier pays Panama qui c'est Erika Mouyens Mouniest disons bien les mêmes qui tout mettons mise en garde hier sous action contre 60 000 migrants et en pile là c'est haïtiens qui eux même qui sont frontière américano-mexicaine après Del Rio. Erika Mouyens les mêmes li attire attention Belti et Sonnet d'Alamnan face avec crise migratoire ça qui je dis à la t'apprend et cher dans divers pays là qui dans région hein côté pile pays là commencé après des décisions là qui face avec des migrants qui a privé la caillou mais en pile dans migrants ça yo dans pile côté dans pays ça c'est haïtien j'en dis à là ça sur les Panama Rica Mouniès qui les mêmes mettent mise en garde hier soir sur action contre 60 000 migrants en grande partie c'est haïtien qui sur route frontière américano mexicaine après au fin quitter Del Rio pour au capable mais faire l'autre côté encore nous pralali toujours n'a été dans même dossier ça côté gagné diverses organisations de base parmi yo Molegaf Combit qui était planté piquet hier devant local ambassade américaine pour Aldino avec une série déportation mais vague déportation que l'autorité américaine a fait avec un compatriote haïtien yo plusieurs organisations tant que Molegaf Combit organisation politique syndicale populaire planté piquet hier devant ambassade américaine là dans l'idée pour dénoncer États-Unis cap déporter papi la Pamacon haïtien yo monsieur José Melia Oxygène David expliquer c'est ingérence américaine pays qui la cause haïtien obligé quitter pays pour aller chercher la vie la caillou en côté une après l'autre José Melia Oxygène David Namiko à Alex Gauthier. Nous avons difficulté pour nous capables de permettre tout côté intervention Josué Merilien avec Oxygène David, yo même qui était